www.casarema.fr. Alléluia, alléluia. Élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois. Juste après le passage de l'évêque Jean-Claude Bossego, qui va prêcher juste 10 minutes. Et on n'oublie pas aussi que pour tous ceux qui ont des téléphones Android, vous pouvez télécharger l'application de Casarema Télévision sur vos téléphones Android. Ainsi, vous pourrez regarder la télévision de Casarema en live avec vos téléphones portables et tablettes Android. À vous, les bêtes. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vous promets, je ne serai pas long. Je ne serai pas long parce que je voudrais juste partager une pensée. Une pensée de révolte. Une pensée de révolte. Parce que quand vous prenez Matthieu 7:7, la Bible dit, demandez. Bon, c'est vrai. Mais quand on ne reçoit pas, on doit chercher. On doit chercher. Moi, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Et la pensée de révolte, ça c'est pour tout le monde, bien-aimé. Vous savez, je remonte un petit peu 20 ans, 25 ans, 30 ans. Regardez un petit peu les Congolais, deux Congos, je parlais de tout le monde. Voilà pourquoi j'ai ramené ce livre-là. Lui-là s'appelle le Gotha Noir de France. Tous les Noirs qui sont ici en France, qui sont venus immigrer d'autres, et moi, qui ont fait la plonge comme tout le monde, qui ont fait, entre guillemets, les sales boulots. Ces gens-là sont arrivés ici. Ça, c'est le répertoire de tous les Noirs. Hein. J'aime comment c'est marqué, démentir les préjugés par exemple. Ceux-là qu'on a catalogués, qu'on a taxés et rébutés de la société à cause. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ces gens sont référencés ici. Amen. Ils sont référencés là. Ça sort tous les ans. Et l'édition de chaque année, on envoie pour vérifier chaque jour. Quand je remarque, je dis bon, en 2012, il n'y avait pas. Je vais dans 2013, il n'y a toujours pas certainement. On est venu en 2014, certainement, ça sortira là, au 15 janvier. Est-ce qu'il y a le nom de quelqu'un qui sera ici? Non, c'est pas une façon de dire. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont travaillé. C'est ceux qui ont prouvé leur nom. Ce sont des Noirs de la France qui gagnent. Et pourquoi j'en parle? Parce que je veux parler de la réussite du leader. Un leader, c'est celui qui exerce une relation d'influence dans la vie d'une personne. Vous remarquez, Élisée, je ne sais pas, il était où? Élie était où? Un roi d'Israël, vous allez voir, et puis vous allez voir dans le premier chapitre, le deuxième de deux mois après. Élisée qui sort pratiquement, Élie qui sort pratiquement de quelque part. Mais pendant qu'il arrive, il trouve un jeune homme qui travaille, il était à sa 12e perte. Il a jeté. La vie d'Élisée n'a jamais pu être la même. Et mais si juste aujourd'hui, ta présence, ton accompagnement dans la vie d'une personne n'a pas révolutionné la vie de quelqu'un, tu n'as encore rien fait. Nous devons exercer une relation d'influence. Un leader est appelé à influencer. Oh! Un leader, quand tu le rencontres, ça crée envie de faire comme lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu dis que tu es leader, je peux te croire. Mais de quel leader il s'agit? Amen. Mais écoute-moi très bien. Allez à Châteaurouge. Ici à Champigny, il y avait 4 exotiques. 4. Tous ça fermé. Allez à Châteaurouge. Tous ceux qui étaient propriétaires de ces boutiques viennent raflés par les autres. Les Chinois sont en train de récupérer même les tabacs. Tout est en train d'être récupéré. Je ne sais pas qu'est-ce que vous laisserez à la génération qui arrive. J'encourage les gens à aller là. Être leader, c'est pas commencer les choses dans tous les sens. Je vais aller très vite. Mais écoutez-moi bien. Si tu es leader,
Et que si tu n'as pas produit quelqu'un bien-aimé qui soit de ta race, si tu n'as pas créé un autre toi-même, ton leadership n'a pas de sens. Qui a fait bien aimé quand on regarde, on se dit, nous voyons Élisée, nous voyons Élie au travers de l'autre qui ne va pas partir. Quand tu ne seras plus ici en France, il y en a qui sont fatigués à 40 à 45 ans, on veut retourner en Afrique. Tu veux retourner sur quoi en Afrique? Quoi? Un leader, la réussite du leader. Est-ce que tu peux dire que tu es en train de réussir? Je ne pense pas. Il y a des gens qui commencent bien, qui finissent bien. Il y en a qui commencent bien, qui finissent mal. Il y a des leaders qui ont commencé mal, c'est sûr qu'ils finiront mal. Et il y a des leaders aussi qui commencent mal. S'ils ont compris quelques principes, ils peuvent gagner. Tant en France, qui a fait quoi? 25 ans en France, à part des chaussures et des cravates. Comme nous, on est spécialistes dans ça. Rien d'autre. Je vais aller plus vite. Il y a un souci. Moi, je prends des stagiaires, nos enfants stagiaires, dans ma boîte. Personne ne veut les prendre. Personne ne veut prendre ces jeunes pour faire même la terrain. Qui va les prendre? Prendre des faciès, qui vient? Personne. Simplement parce que mais, nous n'avons pas de modèle de réussite en face de nous. Tant que tu ne deviens pas un modèle de réussite dans ce pays, dans ce que tu fais, un modèle de réussite, quand les gens te voient, ils ont envie de faire comme toi. Tous ceux qui ont précédé ici en France, mais écoutez, allez voir tous les Congolais, ils finissent comment? Deux femmes, trois femmes, ça finit. Hein? Voilà la coupe qu'ils ont, que ça les trophées. Et ça s'arrête là. Le temps est arrivé où les leaders doivent se lever. Pour que la jeune génération qui arrive se dise non, je veux faire comme lui. Amen. Oh! Amen. La réussite d'un leader. Si tu n'as pas fabriqué un autre toi-même, dis-toi que tu n'as encore rien fait. Regardez ce qu'il y a derrière nous. Ils auront quoi? Nous n'avons pas créé même de couloir pour eux. Rien. Il n'y a rien. Montrez-moi seulement bien-aimé. Un seul qui a réussi. Ou nous, on peut se dire, je veux faire comme lui. Autrement. Qui devienne une espèce de consulting. Ou quand on vient aimer, quand quelqu'un réussit, non. Moi, je n'hésite pas, je vais demander, dis-moi comment tu as fait pour devenir ce que tu es devenu. Où sont-ils? Je vais aller demander, dis-moi comment tu as fait pour avoir quatre femmes. Ça y va, le mec. Non, il est temps que chacun de nous puisse révolutionner. Sinon, notre passage en France, ça sera un passage en vain. Les enfants vont insulter de nom. Les enfants vont se dire qu'ils n'entendront même pas parler de nous. Mais le temps est encore là, bien-aimé, où les vrais leaders doivent se lever pour que les autres puissent nous suivre, voir ce qu'ils peuvent faire comme nous. Est-ce que quelqu'un est fait? Combien d'années tu as fait ici en France? Combien d'années? Mais le temps est en train de passer. On était venu sur, on était trop jeune, j'avais 26 ans, et je regarde dans le calendrier là-bas, wow, 52, c'est parti. J'ai pas vu ça arriver. Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose qu'il puisse faire? Un leader, c'est celui, même s'il a échoué, même s'il a réussi, il a su, capable de se relever et dire que quelque chose reste encore possible. Tant que blesses, tu n'auras pas produit d'autres blesses. Tant que Ali, tu n'auras pas produit d'autres Ali. Un vrai homme de Dieu, c'est pas celui qui a des grands bâtiments, des grandes maisons, non. C'est celui qui a la capacité de reproduire les hommes et les femmes de Dieu comme lui. Quand tu ne seras pas dans Ali, voici nous voyons mon second travers de lui. Voilà, grand leader. Il est temps que tu puisses t'influencer. Danser, c'est bien. Mais quand j'ai fini de danser, il faut que je me dise, je suis vous. Alors pourquoi vous aimez? Encourager ceux qui commencent quelque chose. Amen. Nous pouvons marquer la France différemment. Je pleure là dedans. Je vois tout le monde sauf. Il dit peut-être quand on fera, la vie c'est ceux qui s'habillent bien en Yoshi seront là dedans. Je ne vois pas. J'ai vu
Ernest qui a créé une marque avec une de ses supporters. Je lui dis à l'intérieur, viens. Il vient de Sarcelles. Mais il avait une vision, une détermination. Donc vous savez, à un moment, même si on veut se décourager, quand je regarde, il dit non, ça c'est un modèle de réussite. Lui, il a fait, il a ramé. Non, je crois qu'en le regardant, en le demandant, mais le mesurer, quelles les années qui viennent. Même si pas demain, dans 5 ans, que la France puisse parler de vous. Et que tu sois référencé dans ce livre-là. Que tu dises qu'il y a 2 ans, je n'étais pas là. Mais ce n'est pas toi qui vas aller le chercher. Ils viendront te chercher. Parce qu'ils auront appris qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Les gens ne te suivront pas, ils ne s'intéresseront pas à toi parce que tu n'as rien. Ils vont commencer à s'intéresser à toi le jour où ils feront quelque chose. Laisse que le Seigneur puisse bénir quelqu'un. Et que 2015 soit une année d'entrepreneuriat. Est-ce que l'enfant? Mais entreprendre pour devenir un modèle de réussite. Je hais la pauvreté, je n'aime pas la médiocrité. Je ne veux pas. Alors mourir pauvre, c'est un péché. Non, allez, c'est un crime. Jean. Ok? Alors il est temps de se lever, mais vous faut quelque chose. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous arrête. Voilà. Je fais combien? Est-ce que nous pouvons applaudir Madame Kazarema Liz Manzambi? Elle va faire un playback. Mariés qui sont ici ce soir. Alors pour ouvrir le bal, j'aimerais appeler honorer le couple de mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Mossengo et maman Thérèse. Et puis applaudissez bien évidemment quand même, c'est le président de la pastorale. Oh femme, voici ta chanson. Ozali elembo ya église. Soki ozali te, ozala pasi. Suka. Abomba bisengo na paradiso. Akanisa bato na se. Acha bisengo na libala. Ata moteyo, ata bakondi ekipateyo. Liboso na moto ya bolingo. Pwete nzambe ye bolingo. Katoti olonga yanga motema belobia bato kipateo atane sobe tokolonga na kotika yote ata bapesinga tour Eiffel poete bolingo na pesa yo eleki yango na mulai na bungisa teo oyo na zwile loyo manzambie. Na bomba yo wapi, yo nde trésor caché nanga. Libala lelo eh, likoma likambo ya kolala pongie. Kotala kotala, oko ya kobala nyama ya zamba. Je te laisserai plus, j'ai assez souffert à cause d'absence de ton affection. J'ai une idée, une seule envie. Lala pongi ndeko, zela tanga nzambe. Nokite fa kobala, ndeke ndeke, ndeke kikolo, tonya masamba. Tu es belle comme la lune, pure comme le soleil. Comme ton amour vaut mieux que de l'or. Tu me ravis le cœur par un de tes regards. Il n'y a point en toi de défaut. Par l'un de tes regards, il n'y a point.
bandi nanga yone numéro nanga ya sapato na kotika yo lisusu te tué ma colombe koseka na yo epesaka sai na motema yanga na yo moto akabola Élevons nos cœurs comme
les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté et sa fidélité nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté et sa fidélité nous garderons pour toujours. Thank you.
Merci, merci. Communiquez encore pour la deuxième fois, s'il vous plaît. Hein? Et bon mari doit faire la promo de sa femme. Hein? Ardis business, Ardis, 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 opportunité d'affaires. Si j'enlève le costume, là, il y a un ventre. Mais là, c'est caché parce qu'il y a la gaine Ardis qui protège. Donc, gaine Ardis, pas de ventre. Gaine Ardis, c'est plus de ventre. Essayez de voir la gaine Ardis si vous voulez contacter Madame Mimi. Ça va bien se passer. Pour ma solo, un bon moto solo, là, toujours été dans la gaine. C'est des chefs d'entreprise qui sont en train de parler en sérieux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons. L'excellence. Jésus, tu es ma référence.
tous et à toutes. Gloire à Dieu. Thank you.
Bien-aimés dans les seigneurs, chers frères et sœurs en Christ, voici les nouveaux albums de l'autre bord, déjà dans vos bacs. Les frères Didier Lukale nous revient avec un nouvel album plein de featuring et surtout riche en mélodies. Encore des duos avec les frères Franck Moulaja qui est en chant notre sœur au Jésus. La sœur Dorcas Kaja, oh là là. Un nouvel album à découvrir et à consommer sans modération.